Bonjour FD, merci pour l'éditorial ça. Là, vous soulignez Kenya pratiquement commencé à passer de la parole aux actes. Oui, Kenya a passé à l'autre étape et le gouvernement Kenya a annoncé le prêt à prendre tête et force. Force que Canada a été pour le prendre. Canada pas de prendre. En fin de compte, c'est Kenya qui le mené, qui dit le café travail là. Mais là, Kenya, depuis dimanche, il y a une mission d'exploration qui sous place, qui a rencontré l'autorité haïtienne et pour voir qui ça a fait. Et premier travail, c'est venir garder qui ça a besoin de souterrain en termes de force qui est disponible déjà. Deux bagages, Georges Fonction, Force Sécurité Haïtienne, pour qu'on ne sache rien, ça a fait. Et deuxièmement, pour connaissance, une cartographie des gangs, je veux dire en français, c'est-à-dire qui est-ce qui borde qui ça. Ensuite, si le Conseil de sécurité va OK, peut-être qu'il va venir. Et parallèlement, et évaluation ça a fait, vous trouvez que vous estimez que population et société haïtienne a vécu un dilemme. Où est le Oui, dilemme? le dilemme kényan. Et d'abord, personne qui est haïtien ne peut pas le dire, accepter et à faire content pour que qu'on force étrangère qui déploie sur le territoire. Ça, c'est normal. Et même le monde qui est convaincu que force sécurité ne là, mais avec la police, pas de solution pour résoudre le problème, là, il a parlé obligé de mettre un bémol pour ne pas dire qu'il va un pays. Bon, moun ki d'accord que bon Dieu vini, que le diable vini, quel que soit sac vini, en vini, yo même tout, pas mal faire campagne ouvertement pour dire yo vle ça. Ça veut dire que nous aussi, j'en ai autre question de déploiement force là, et personne ne va me prendre pour lui, clairement, clairement. Bon. Non, je vais dire le nom de la bête hypocrisie qu'il y a en dos. Eh, non, monsieur. Non, monsieur. On ne va pas manquer personne de gars pour me dire non, hypocrite, monsieur. Non, 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 ça. Parce que de toute façon, personne va pas dire d'accord que le pays a perdu souveraineté. Parce que les gens font sauter l'eau ou par contre ça a privé. Automatiquement, tout le monde va dépendre de où, mais bon, perdu mon son dans la souveraineté. C'est le principe là, ça. Tout à fait. Même si perdu en partie dans la souveraineté ou ça, et une nécessité qui oblige. Bon, même si ça. Alors, forme d'habitude, nous constatons que blanc débarqué. C'était le cas en 2015, c'était le cas en 94, c'était le cas en 2004, c'était le cas en 2010, et même en 2016, après cyclone Mathieu. Parce que toute date, ça y a eu des troupes étrangères qui entrent en Haïti. 84, enfin, 1915, 1994, 2004, 2010, 2016. Seul monde, bah, là, t'es fatigué, nous, nous, pas d'accord, c'est les, en 2016, troupes dominicaines, mieux, devine, pour assistance étrangère. Les camions dominicains, ont des policiers, enfin, militaires dominicains, sur eux, bah, ils s'intéressent là, moi, c'était sous privé, et dominicains, ont été fait bac. Changez? Oui, Toute l'autre fois, nous, accommodés, nous, parce que le pays a toujours des ordres, et nous, toujours faibles. Mis à part les cas courts dans l'histoire d'Haïti, paraît qu'un général et qu'un président haïtien qui jamais le vont un jour pour dire le préoccupant à aller. D'habitude, nous faisons ça tranquillement, M. Jeffrey. ouais. Donc, c'est pour première fois qu'il y a une discussion ça en notre société. Oui, Il y a tout oui, débat. oui. Oui, qu'il y ait un débat ça avant force venir. Qu'on ait un débat ça, les forces venir, oui. Mais pas ça avant force venir. Même si la situation PNH est catastrophique, qu'il est capable de rétablir la paix avec la sécurité, même si général en chef force armée d'Haïti, l'autre jour, là, on dit que lui-même, il n'a pas d'armes, il y a 1500 personnes, il n'a pas d'équipement lourd, et il va entrer les ça, parce que la meilleure présidente, je vous ai dit, mais c'est pour l'interview des cyclones. Oui, environnement. Eh bien, malgré ça, il y a des forces organisées dans la société à Cap-Ti. Fok se la me, la polis, populasyon pou met ansam pou alrezo problem nan. Mwen gen lot menm ki pou pli myo ke ki Union Européenne e Union Africaine, ke ki la Roussi pou empèche parol deploaman sa. La ankon, menm si person pa kwen ke la polis an etat de rezo problem nan pou kote, men pou yon fwa, an 2023, gen de fos ki la mwen ki di ki yo pavle pou l'okupasyon sa. Et bon, l'autre catégorie encore, eux même, ils ont trouvé que c'est pas côté. Bon, catégorie, ça dit, il pas comprendre qui a fait un monde noir pour nous, en parlant de Kenya. Et que si blanc, c'est blanc, yeux bleus pour te.
Donc, officiellement là, seul monde qui a demandé pour faire ça venir, c'est le gouvernement? Officiellement, c'est le gouvernement, deux ou trois partis politiques, mais on va faire parler sur ça. J'aime de la gombe bémol, et je ne sais pas si ça est vrai, il y a PNH. Bon, bref, chaque monde qui a été après, il y a. Seul monde officiellement, c'est le gouvernement, mais même là, regardez bien, M. Geoffroy, et là, non. Oui. Ou pas sentir, sinon, bon, engagement, vrai. Le gouvernement finit de la demander, mais le problème, c'est que tout le monde peut faire ça. Et comme le gouvernement et l'opposition statut qu'on va pas déranger, il va faire gros bruit, n'a pas le force ça. Parce que l'opposition pleine que force là vient renforcer pour voir rien à rien. A rien que force à Sylvini, il change le rapport de force. Et que les rapports de force changent, on va nous qui s'accagent. Et là, tous les deux peuvent pour. Pour jouer ça, les communautés internationales ont décidé effectivement d'envoyer des troupes sous sol là. Ah oui, parce que les communautés internationales ont des troupes sous sol là, ce représentant secrétaire général de la Nations Unies qui joue déjà là, qui est très bon avec l'ambini, pareil, mais s'il y a 1500 hommes là, on va prendre l'autre bagaille. Je ne le connais pas l'avoir avant, par contre, ça ne va pas l'avoir après nous. Non, c'est dit un mec chef. Ah. Alors, aux politiciens, nous craignons que Blanc va dire pour consensus, pas mal de nous faire pour contre nous depuis deux ans. Il y a passé maintenant tête nous depuis deux ans pour dire que nous sommes en train de mais fois ça, M. Alphonse, M. Geoffroy, il y a mis ton chita, il y a tout merci à ça. Oui. Roman, il a imposé des décisions à toutes les parties, surtout ça qui refusait le droit à quoi depuis deux ans. Mais, mon frère, je dis dans l'éditorial là, pas qu'on si c'est un de bagage ou qu'on a dessiné, ou dit le pire cauchemar que les hommes politiques de tous les camps est de voir la force multinationale rechercher avant tout comment signer la paix avec les gangs pour passer à la réinsertion puis aux élections avec une nouvelle classe politique. Il y a un rapport secrétaire général de la Nations Unies en l'autre jour, là, rapport le même conseil de sécurité, yo. Tout à l'heure, le premier parti rapport, quand le rapport a dit qu'il y a un manque de déploiement, mais le deuxième parti de rapport, c'est qu'il faut faire l'insertion. Et logique, l'insertion qui s'allie, nous faisons que ce toit-là, nos pays patrons, nous créons les Colombies, guérilla, t'as discuté avec le gouvernement, et bien, quand nous venons en tête, nous venons la paix, nous venons stabilisation, et bien, on dit tout le monde va à l'élection. Oui. Mais avec Fakio, et il y a qui a mis par rapport avec la situation à vivre ici. Là. Faut que même des idéologies politiques, des idéologies au tabou mais pour lui, mais là par contre quelle idéologie politique, c'est criminel nous gars là, c'est terroriste. On va connaître qu'un chef de gang qui a une idéologie politique qui a fait discours toute journée. Ah, bah on est. Monsieur Geoffroy, Monsieur Geoffroy, peut-il? N'a pas pour ça oui avant tout. Avant, ah avant, non, avant, ça, avant, non ça c'est non ça c'est position haïtien, même du communauté internationale c'est pas ça le métier à Paul. Parce que la palette de l'insertion, des gens oui, oui, non, il y a la communauté internationale, ça sont doté. Oui, parce que lui-même, ça va venir chercher avant tout, c'est pas goumé. C'est établir la paix. Alors qu'on est jeune, M. Geoffroy, qu'on est jeune. Bon. Donc, conférence de presse célèbre qui fait devenir avec Maron Souchelmans en 1994. Allô? Oui, monsieur. Oui, en conférence de presse célèbre qui fait devant Negmaron en 1994, côté que porte-parole ambassade américaine de M. Schweiger à l'époque, était campé avec Mme Frappio pour dire bon, ok, d'accord, nous passons le blague. Donc, ok. Donc, même schéma, c'est encore possible en 2003. Impossible. Impossible parce que ça fait partie de tous à outils communauté internationale là, les grandes batailles. Toute bataille est finie pour traiter de paix. C'est quand sa bataille est finie, ça ne peut pas mourir pour faire la paix. Songez bien, en deuxième nouvelle, Mabao, nous sommes en 2004-2006, opération Bagdad finie, vous m'avez fini, M. Préval, monté président. M. Préval, il a dit poser, déposer. Pour payer à et puis, le monde qui était déposé, depuis maintenant,
réinsertion et qui est un qui vient proche président Préval. Oui. Ça a été coup, mais seulement il y a été mort. Oui. Il y a qui devine des membres influents. Oui, qui devine gros chef. Eh bien. Ok, vous rappelez ça comme on nos jeunes. Bon, vous rappelez le pays à ça. Oui, vous rappelez nous deux épisodes. Après Goumé. Et dilemme Kenya et wap souligner là pour haïtien yo ou met accent sur peu d'intelligence qui gagne c'est pas seulement dans pouvoir non mais dans classe et politique là en général et moyen légitimité que trois bagages que tout ka bagage intelligence moyen légitimité l'autre bagage trois bagages ça ou mal pour faire politique et communauté internationale là comme numéro bien force politique là. Oui, on connaît côté là. Non. On connaît. Et là c'est ça qui fait faiblesse toute sorte de procédure comme force. Oui, c'est ça qui fait faiblesse et ça fait tout ouais, tout on a traîné, tout le monde qui t'ont traîné. Chaque fois un problème qui survient dans face là, nous qui t'ont traîné avec parce qu'on espérait de matin à pivot. Malheureusement pour force politique, de mois en mois, c'est plus faible, plus faible. Oui. Ça nous est carré aujourd'hui, il y a cela deux ans, nous pas résoudre, je dis à l'idée insoluble. Non, mais nous là. Mais nous là, on a traîné. On a traîné, et puis bon, nous, côté nous là. Bien entendu, il y a l'autre écueil, face à projet Kenya. Là, dans le journal matin, nouvelle liste rappelée qu'Amnesty International dit attention, en question de violation des droits de l'homme, en question de force kenyan n'y a pas toujours respecté ça dans le pays par eux, et en question de sa mission internationale, il fait déjà en Haïti. Parce que mission internationale, là, des fois, de venir nous rétablir la paix, même temps qu'on a violation des droits de l'homme. Bon. Ça, c'est l'autre volet, lorsqu'on a une intervention, ça a fait dans le pays. Tout à fait. Chaque monde met un défaut par eux, chaque monde met un défaut par eux la caille, monsieur Jim. Clair. Et d'ailleurs, venez avec eux, c'est eux qui ont des âmes. L'ENSOGE 94, c'est pour les Nations Unies, c'est dans 20 âmes. Oui. Oui, vraiment, non. Parce que demain, ils ont besoin. Parce que coup de plan, on l'a mis, quelle que soit la meilleure, on sait besoin que la meilleure marche avec eux. Que c'est fille à chercher, que c'est drogue à chercher, que c'est business, ils ont besoin de faire. Chaque l'armée reportait l'eau problème bas. Parce que l'armée, quel que soit le pays, c'est le monde qui l'a d'ailleurs, et tout le monde est même petit vicieux. C'est ça lié. Bon. C'est ça lié. Et au souligner dans l'éditorial là, côté haïtien, parce que la communauté internationale là, par recommander à quoi politique, comme une condition obligatoire pour que les forces l'avenir, ça va peser l'eau dans la balance là. Parce que ça a tout dans le rapport secrétaire général des Nations Unies. Que faut un bon consensus politique haïtien. Oui. Est-ce que les politiciens haïtiens ont fait l'avant force l'avenir? Ou bien c'est les forces l'avenir qui n'ont pas le pèse de courir ou faire? Mais il a fait. Il a fait. Parce que blanc dit, il faut faire, blanc dit ça depuis deux ans. Et là, nous parlerons qui est cet acteur qui a joué, je vous dis là, la carte du pire. La carte du pire. Parce que c'est un bon politicien, Captain Mbangwa. Presque gâté, on peut essayer de manger. Bon, Mbangwa soupir, chaque mon Captain n'est plus mieux. Eh bien, bon, moi, je vais le dépasser, c'est mieux. Et puis, monsieur Zéphra, pour finir l'éditorial là, une dernière version. Peuple, cap gardé. Peuple, pas contre Kenya. Nous avons jamais de parler de pays ça. Nous pas contre ça au café, ça au pas café. Seul le napoué, c'est le noyé de coups. Au matériel à déployer, monsieur Zéphra. Oui. Parce que si Tiba est faible qui vini, ça arrivait déjà que les États-Unis, en 1993, en octobre 93, voyons un bateau qui est Arlan Conti. Qui vient débarquer mon WAPAPN là. Mais comme il n'y a pas bien assez de bagages d'agatis visibles, les Haïtiens font courir, pas toi courir. Ils font ça déjà pour eux. Mais ils n'ont pas de courir, monter bateau, prendre bateau, le bateau peut courir, ils font ça déjà.
Oui, l'autre partie dans l'histoire. Ah oui, ça fait partie de l'histoire d'Haïti, non? Ce qui signifie que si fois cela, quelques fois cela, mais quand on parle de la Kenya, pas moi-même. Pas de toi, ils font. Oui, c'est pas quoi, je vois, mais j'ai fait la poudre. Oui. En tout cas. Hey. Merci à Pilate de Boitoyal. Qui va titre qui dans le journal la matin, s'il vous plaît? Vous venez de sortir avec Grand Matin. Combien y a-t-il de policiers au sein de l'affaire? Là, je peux continuer. Entrez pour nous, chapeau à titre. Selon le dernier rapport publié par la représentante spéciale, secrétaire général des Nations Unies, au 30 juin 2023, il y avait 14 295 personnes au sein de la PNH, dont 3300 sont affectés à des tâches de sécurité publique dans l'ensemble du pays à tout moment. 3300. C'est l'heure du PNH, PNH gagne officier qui est policier, mais tout un personnel civil PNH. Il n'a pas PNH. Et lui-même, c'est effectif PNH. Et là, on petit caricature qui était que, bon, on a gagné le PNH, qui m'a dit combien de cas PNH a gagné. Et puis, on dit, bon, cas policier qui déserté. Bon, cas qui parti dans Biden. Deux cas. Bon, cas qui a marché en VIP. Bon, cas qui a dans gang. Bon, cas qui est dans des bureaux. Finalement, combien de cas de police? Ah, je ne sais pas combien de cas de gain, je cherche à connaître combien de cas de gain, mais la police nationale, quel que soit le monde dans le PNH, je demande, par exemple, qui est effectif force spécialisée? Je vais connaître. Et Simo, Captim, GPN, SWAT, Boy. Personne ne va dire combien de gain. Non. Je demande combien de policiers qui ont un congé, qui déserté, qui ne pas jamais présenté. Là encore, malgré tout ça annoncé, pour le moment, pas un chiffre officiel. Souvent, de combien qui est allé dans Biden, ou pas besoin? Pas un chiffre officiel. Combien de capitaine peut aller, pas un chiffre officiel. Non. Non. C'est situation, hein, c'est que PNH là, et effectif là, on tient un flou. Kembe là. Merci beaucoup, FD. À bientôt. Bientôt. À bientôt.